Oui, bonjour, bienvenue pour un test d'un petit appareil Kidera. Il y en a deux, hein. Donc il y en a un qui est sur une antenne bien sûr fixe, qui est une X300, cet appareil-là. Donc il est sur une X300. On a effectué un QSO à 14 km avec cet appareil. J'étais sur la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine. Donc bon, la qualité, on a du mal avec la lumière, il faut jour. Vous pouvez régler la lumière là sur le côté. Vous avez deux niveaux de puissance. Bon, moi, je n'ai pas enlevé le revêtement plastique dessus. Voilà. Vous avez deux niveaux de puissance. Petit en L en haut là et H. Bon, on a du mal à voir avec l'écran. C'est pas top. Voilà. Deux niveaux de puissance. Donc, je vais vous faire écouter éventuellement le micro déporté. Tu peux le mettre devant l'appareil. Voilà. 1, 2. On va essayer. Le volume. Je vais essayer. Voilà. 1, 2, 3 test. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3 test. 1, 2, 1, 2. Donc, voilà. Voilà, en réception, il n'y a pas d'écho, de retour, bien sûr. Voilà, donc le QSO qui a été effectué, donc c'est lourd, hein, c'est assez lourd comme appareil. Donc ça vient de Chine, batterie de 3000 mAh. QSO donc à 14 km à l'intérieur du véhicule, j'ai réussi à le recevoir à l'intérieur du véhicule en polarisation horizontale. C'est une UE intérieure qui fait 5 watts. Le tarif, si vous le prenez en Chine, est de 116 $. Donc c'est moins de 100 €. Là, ça nous a coûté 180 € l'unité avec les frais TVA d'importation et compagnie. 180 € l'unité, c'est vraiment une affaire. Ça n'a rien à voir avec l'analogique. Donc ceux qui critiquent l'analogique, essayez d'abord le numérique. Et ensuite, vous pourrez critiquer à votre guise. Voilà, on est sur Nantes. Si jamais il y a des gens qui veulent rejoindre un petit groupe PMR, autrement il y a DMR, pas PMR, mais DMR ou PMR, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci.